Mathieu Taristas, La Réunion TV. Aujourd'hui, mais savoir un monsieur qui s'explique à nous c'est quoi le sens de la vie. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Marie Taristas, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ben, aujourd'hui, mais tu voulais venir voir où? Parce qu'apparemment, on a quelque chose d'essentiel à expliquer à nous. Ou tu voulais expliquer à nous le sens de la vie? Oui, voilà, tout à fait. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sens de la vie. Entre parenthèses, si on pourrait, je peux m'exprimer comme ça. Je pourrais m'exprimer en français ou en créole. Je vais faire un petit mélange, un petit curry, faisant brocal comme il dit en créole. Le français et le créole. Je vais bien comprendre, si tu ne comprends pas, je vais comprendre plus tard ce que ça dit. Bon, ben voilà. Moi, je pense au plus profond de mon cœur qu'il y a beaucoup de personnes les désorientées, les déstabilisées, et il y a le moral faible sur cette planète indigne. Pourquoi je dis une planète indigne? Parce que la planète a été offensée depuis l'âge, la nuit des temps, si on pourrait dire. Employons pas d'âge, parlons de la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on a mis l'homme et la femme pour essayer d'harmoniser la planète Terre. Mais sur la planète Terre, il y a eu des animaux qui ont été créés avant aussi, qu'il y a très peu de personnes qui font gaffe à ça. Les animaux, ils ont des sens tellement évolués, tellement sensibles, qui sont supérieurs par rapport à notre propre être vivant. Nous, en tant qu'être vivant, nous essayons toujours d'avoir le côté supérieur. On essaie toujours d'arnaquer son prochain pour essayer d'avoir plus par rapport à ce qu'il a. On ferme nos yeux peut-être de temps en temps en se disant « oui, je n'ai fait aucune erreur », mais au fond de notre cœur, on sait qu'on n'est pas pur. Pour avoir un cœur pur, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'un cœur pur, c'est quelqu'un d'honorable et stable. Il aide toujours son prochain, quelles que soient les difficultés. Même s'il reste 1 € dans son poche, il arrive, il tombe sur un clochard. S'il n'y a pas donné 1 € le clochard a soif, il va aller, il va calculer, sauver parce qu'il y a beaucoup de clochards pour 1 €. Mais plus devant, on aura le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, il ne plaisante pas là-dessus. Parce que personne n'a jamais demandé à l'heure d'aujourd'hui à être clochard ou à être SDF. Les SDF, parlons-en des SDF. Il y a tellement de logements qu'on construit ici sur l'île de La Réunion. On nous dit que c'est des logements sociaux, soi-disant. Tous les bailleurs sociaux disent que c'est des logements sociaux. Même la commune, au niveau de l'habitat social, ils essaient de combattre pour donner des logements aux plus démunis. Les démunis sont toujours ceux qui sont laissés sur le côté. On les oublie souvent des fois. Pourquoi on les oublie? Parce qu'ils gardent la bouche fermée, ils n'osent pas dire leur souffrance, la souffrance qu'ils ont dans leur propre cœur, avant de pouvoir affronter la vie elle-même. Tout le monde a besoin de manger, de boire. Imagine une personne qui arrive sur un lieu public, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler, eux ils sont en train de déjeuner, ils sont en train de vendre. Le pauvre monsieur, lui, il arrive, il n'a rien dans ses poches, il a envie de boire, il a envie de manger, il passe sa tête baissée sans demander. Quelqu'un d'autre pourra passer à côté de lui pour lui offrir quelque chose à boire ou à manger, ce sera une personne bénie des dieux. Parce que toute personne qui aide son prochain sont des personnes bénies des dieux. Dieu, pourquoi je parle de Dieu? Parce que moi j'ai la foi, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le salut de notre péché à la montagne de Golgotha. Au niveau de la montagne de Golgotha, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Je vais vous expliquer quel est le cours de la vie, dans les combats célestes qu'on surmonte à l'heure d'aujourd'hui. Tout le monde se croit supérieur, mais personne n'est supérieur aux forces suprêmes, aux forces de la nature. Et qui c'est qui dirige la nature, qui c'est qui dirige les forces suprêmes? C'est notre Père Céleste qui règne dans les cieux. Et il a son fils Jésus, à l'heure d'aujourd'hui même que je vous parle, qui règne à sa droite. Mais aussi, il ne faut pas oublier, il y avait l'ange de lumière qui régnait à la droite de notre Père Céleste avant que Jésus vienne sur terre pour essayer de stabiliser la situation par rapport à l'ange qui était déchu. C'était l'ange blanc. On l'appelait Satan ou Lucifer ou même Mammon. Toutes sortes de noms qu'on pourrait employer, mais c'est un ange de lumière. Il a des pouvoirs supérieurs à la nôtre. Nous, on est simples êtres humains créés à l'image de Dieu. Soi-disant, dans le jardin d'Éden, on a pris 2 codes pour créer la femme. On a créé l'homme avant de pouvoir créer la femme. La femme a corrompu l'homme. Après, il y a eu la race de Caïn et Babel. Ils sont venus, ils ont toujours été corrompus. Même à l'heure d'aujourd'hui, avec cette société évoluée, il y a la technologie, il y a l'informatisation. Tout est informatisé, tout est relié par des câbles électriques ou par satellite ou autre chose de ce genre. Ils essaient d'aller plus loin sur des planètes pour essayer de trouver supérieur par rapport aux autres qui sont sur cette planète Terre. Ils prennent des fusées, ils décollent, ils quittent la planète Terre, ils vont sur Mars. Ils essaient même d'aller sur Saturne, Vénus, Pluton, Arrakis.
C'est la galaxie infinie là-haut. On ne peut pas traverser les portes du temps et traverser les portes de la lumière pour pouvoir arriver aussi loin. Mais eux, ils ont déjà arrivé très loin. Ils amènent des échantillons sur Terre, soi-disant, pour les analyser en laboratoire. Mais on se fait tous baiser la gueule parce qu'on n'a pas le droit de ramener les échantillons. Seul Dieu décide qui c'est qui doit venir sur Terre et qui c'est qui doit quitter la planète Terre avant de pouvoir faire quelque chose. Sur cette terre, moi, à l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, je m'en représente, je suis Jean-Max Benoît Didier Achille. J'ai 44 ans. Vous avez 44 ans, monsieur. Oui, vous pouvez répéter votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Max Benoît. Tout le monde m'appelle Jean-Max. D'accord. Et Jean-Max, est-ce qu'on pourra expliquer à nous la suite la prochaine fois? Mais bien sûr, sans problème, je pourrais vous expliquer la suite. J'ai beaucoup de choses à dire. D'accord. On va faire on donnera la suite aux téléspectateurs très prochainement. Ok, d'accord, ça marche. D'accord. Je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas et Jean-Max Benoît. D'accord. Mes remerciements pour tout. Merci, monsieur Jean-Mathieu Taristas.